Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo nous allons parler d'Achille. Alors Achille c'est un personnage complètement craqué du cul, le kit de sort il est hallucinant, on a un stun, on a une augmentation de stats en pourcentage, on a de la mobilité, deux sorts de mobilité, un immune contrôle et puis en plus, allez, qu'est-ce qu'on allait foutre? Un guerrier avec un seuil d'exécution comme à Hong Kong, Thanatos. Bon, Thanatos c'est un assassin et à Hong Kong c'est un mage assassin, voilà. Ce sont des personnages très fragiles. Achille, il peut être build très tanky et il n'y a pas de perte, on va jamais faire un Hong Kong avec 5 items défensifs juste parce qu'il a un kill whistle. Non, non, mais Achille, on peut se permettre de jouer le personnage de manière full défensif. Mais en fait, non, parce que le 2 lui permet d'avoir des stats complètement hallucinantes, même s'il prend pas des objets très défensifs. Et pareil avec le passif, le fonctionnement d'armure, quand vous allez tout simplement clic gauche et passer de la stance combat à la stance armure. En fait, vous avez des stats qui vont arriver et qui sont complètement hallucinantes. En début de partie, on considère que 40 PV, donc là, pour noter en fait, là, le petit brassard, c'est des PV, et l'armure, c'est les défenses. 7 de prot physique, 7 de prot magique, quand je suis dans cette stance. Et ici, 5 de dégâts, donc de puissance, qui augmente également mes dégâts. Hein, vous voyez, c'est 100% en fait. Regardez, j'ai 5 là, quand je me l'enlève, là, je vais descendre à 40. Donc ça fait juste 5 en plus. Et ensuite 1.2 de vitesse de déplacement. Bon ça c'est des pourcentages qui sont plutôt pas dégueux. On considère sur le fonctionnement du passif d'Achille qu'en début de partie la vitesse et la puissance est intéressante en phase de lane. Elle permet de vous dodge d'un petit peu des sorts. Si vous le jouez en jungle c'est également ce qu'il y a de plus intéressant, puisque vous allez pouvoir vous déplacer un petit peu plus vite. Ça va vous aider à clean les camps et donc de farmer plus efficacement. On considère qu'une fois qu'on est level 20, le bonus devient autre chose, hein, ça devient 43 de puissance et 6 de vitesse de déplacement. Ça reste beaucoup, hein, 43 de puissance, des objets qui donnent 42 de puissance, ça vaut assez cher dans le jeu. 6% de vitesse de déplacement, là aussi ça vaut beaucoup, mais on considère que ces stats sont plus si ouf que ça. Surtout qu'on peut par exemple aller chercher une lame de la sorcière ou une lame mêlée sur Achille ou un talisman d'énergie. Ou voilà, un truc qui donne de la vitesse de déplacement sur Achille. Donc on n'est pas obligé de garder. Par contre, en stance défensive, c'est hallucinant les stats que ça donne. Ça donne 325 PV. Donc déjà, allez chercher dans le jeu des objets qui donnent 325 PV. Vous verrez qu'il y en a beaucoup qui donnent plutôt dans les 200, 250. Voilà, 325 PV, on est vraiment sur, je crois, la Stone of Gaia qui donne 400. Voilà, c'est le seul objet qu'en donne plus, quoi, je crois, du jeu. Sinon, on est plutôt aux alentours de 300, voilà, un petit 150, etc. Donc, 325 PV, c'est énorme, ça permet à Achille, regardez, j'ai absolument aucun item, j'ai actuellement 2500 PV. Donc déjà, ça, c'est énorme. Et 45 de prot physique et magique. Donc, je sais pas si on compare avec une peau de l'oursin. Une peau de l'oursin donne... à l'achat, vous le voyez moins déjà, moins, donc une peau de l'oursin 2450 gold, après avec le passif ça en donne plus bien sûr, mais vous voyez le délire de ce que c'est que ce passif, hein. C'est vraiment hallucinant ce passif d'Achille, qu'en fait un personnage tu sais Ayres quand ils ont créé les développeurs quand ils ont créé les game designers, oh, j'ai une idée les potes, on va mettre un kill sous seuil de mort sur un guerrier. Les mecs, ils ont dit, ouais, c'est bon, ça sera pas trop pété, on va mettre ça sur un guerrier, bon, mais de toute façon, les guerriers, ils doivent être joués défensifs. Si le mec s'amuse à faire des items de puissance, il se fera jambonner, il mourra facilement. Ah, j'ai une idée! D'accord, s'il meurt trop facilement, mettons-lui un passif qui fait qu'il a 325 et 45 de prod physique magique dans son passif. Comme ça, il a un 7ème item. Comme ça, s'il a envie de faire 2 ou 3, 1 ou 2 items de dégâts, bon, bah, il aura quand même derrière 5 items de défense, puisque d'une certaine manière, ce passif, c'est un item en plus. Hein. Voilà. Oui, tu as raison, ça pourrait être pas mal. Oh, et puis rajoutons un buff qui dure 6 secondes et qui augmente les protections en pourcentage et qui, en plus, augmente la puissance en pourcentage aussi. Donc, plus on va avancer dans le late game, plus il va devenir complètement pété du cul parce que les pourcentages, bien évidemment, augmentés de 10%, 10 de puissance, bon, ça fait 1 de puissance en plus. Par contre, 200 de puissance, bah, ça fait 20, donc c'est pas dégueu, 20 de puissance, surtout en perso physique.
20 de puissance, c'est beaucoup, hein, c'est à la moitié généralement, ou à aller un tiers de la puissance donnée par les objets, quoi. La puissance, là c'est 35, là c'est 45, donc, ouais, 20 de puissance en plus, c'est beaucoup, sachant que atteindre 200 de puissance sur un Achille, c'est largement faisable en late game. Donc vous voyez un petit peu le délire, ils ont rajouté trop de trucs sur le personnage qui fait qu'il est complètement OP en late, parce qu'il monte, il a fini de maxer son 2, qui est généralement le sort qu'on va maxer en avant-dernier. Ensuite, il a fini, il est level 20, donc il a ce bonus maximum de 325-45, qui est un bonus qui est quasiment une peau de l'oursin, comme on l'a expliqué, une peau de l'oursin gratuite, donc un sixième objet sur Achille. Donc finalement, le personnage, voilà en pourquoi ce personnage est complètement craqué. Et on n'a pas encore fait le reste du kit de sort. Donc on rappelle le fonctionnement d'Achille. Achille est un personnage qui a donc 3 sorts, qui sont des sorts animés, et un passif. On va directement commencer avec le 1. Donc le premier sort d'Achille, alors déjà on va vérifier si ça passe à travers les murs, parce que j'en ai pas la moindre idée si le 1 passe à travers les murs. Le 1 passera à travers les murs, mais le dash, je sais pas si on a la range. A priori non, parce que je pense qu'on avait la range, hein, pour essayer de toucher. Le dash doit pas passer à travers les murs. Quoi qu'il faut regarder si on avait la range ou pas. Je vais vérifier. Ouais, on avait la range normalement. Ouais, on devait avoir la range. On va vérifier, on va faire le réduc de cooldown. Je serais étonné que ça passe à travers les murs, mais déjà je suis étonné que le 1 le fasse, donc pourquoi pas le 3. Non. Le 3 ne passe pas à travers les murs, et l'ulti non plus, hein. C'est un dash. Donc ça passe pas à travers les murs, vous allez vous cogner. On passe au 1. Donc le 1 a 2 notions. Donc déjà, une erreur souvent vue par les débutants sur Achille, ceux qui sont contents et ils font les dégâts comme ça. Sauf que ça fait beaucoup moins mal, hein. C'est vraiment histoire de finir le kill, puisque vous ferez la zone d'impact initiale en infligeant 75% des dégâts. 75% des dégâts. Donc ça fait 75% de 320. Donc ça fait pas, c'est pas non plus 0 dégâts, mais vaut mieux le mettre à l'intérieur. Ça fait plus mal. Quand vous êtes dans la première partie du cône, vous appliquez un stun. Donc déjà, c'est un stun qui n'a pas une durée très très longue, hein. C'est un stun d'une seconde, mais qui est quand même très intéressant et qui peut vous permettre d'interrompre les canalisations, comme le Tao Luasso de Guan Yu, comme par exemple le coup de marteau de Bellona. Donc il a quelque chose qui permet d'interrompre les canalisations. Donc il est assez intéressant pour ça déjà, Achille. C'est un sort qui fait jusqu'à 320 dégâts. Vous me direz, moi je regarde tous tes guides Iker, donc 320, c'est vrai que c'est pas dégueu. C'est pas dégueu pour un perso physique. Donc voilà, globalement, le 1, il est assez simple. Voilà. En général, le mieux, c'est d'essayer de le mettre en mode je mets des autos derrière, etc., etc., et j'essaye de placer le stun. Si derrière, vous pouvez, vous êtes sûr de pouvoir le finir avec ça, en late game, ça fait quand même mal, hein, ça, même si vous tapez très bien. Mais n'utilisez pas trop, utilisez-le plutôt comme un stun. Voilà, c'était juste histoire de le préciser, parce que je vois beaucoup d'Achille qui mettent leur sort comme ça. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus efficient, hein. On passe au troisième sort d'Achille. Le troisième sort d'Achille est un dash que je vous conseille de jarter. Il ne faut plus que vous utilisiez le 3 pour l'utiliser. Vous voyez que je l'utilise avec ma main droite, hein, ma main droite avec ma souris. Je fais ça et ça va me permettre de dasher. Voilà, avec mon clic droit de souris. C'est le bouton latéral de ma souris. Ça me permet en fait de le faire dans toutes les directions. Ce sort-là est complètement pété parce qu'en fait on peut l'utiliser dans toutes les directions. Vous n'êtes pas obligé de vous orienter. Vous pouvez vraiment le faire à l'instant comme ça et vous pouvez choisir. Hop, voilà. Donc c'est vraiment un coup de main à prendre. Il faut que vous puissiez le faire dans toutes les directions et pas que vous soyez limité à utiliser le E. Parce que moi, quand j'appuie sur 3 avec mon clavier, pour ceux qui sont sur clavier, j'ai du mal à avoir mon doigt sur le 3 et sur le D en même temps ou sur le S. Donc je vous conseille vraiment fortement de changer cette touche. Pour tous les sorts qui peuvent être faits dans toutes les directions, il faut que vous changiez cette touche pour que vous soyez un petit peu plus apte. Donc ça demande un petit peu d'entraînement parce que voilà, vous êtes habitué à peut-être utiliser le 3 pendant quelques jours. Mais changez-moi cette touche si vous voulez devenir un Achille. Si vous êtes incapable de dasher dans certaines directions, bah le sort il est beaucoup moins fort. Parce que vous pouvez vraiment faire des pas chassés comme ça et vraiment vous mettre hors d'atteinte des ennemis. Et d'essayer d'éviter les skillshots, de faire un peu, voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec ce dash. Donc utilisez-le et changez-moi cette touche, ne maintenez pas la touche 3. En gros, c'est assez simple, puisque quand vous allez dans les paramètres et que vous mettez les raccourcis, vous pouvez mettre une deuxième touche. Moi, mon conseil, c'est pas supprimer la touche, c'est de mettre ici bouton latéral, bouton latéral de souris. Voilà, je garde mon 3, donc voilà.
Ça me permet de faire les deux. Ça, c'est vraiment bien d'avoir mis les deux, parce que sinon, il faudrait changer sur chaque personnage, ça serait chiant. Le dash, vous l'aurez compris, si vous ne touchez pas de personne, vous avez un CD dessus. Bon, là, j'ai pas beaucoup de CD, mais si j'ai, si je fais ça et ça, je peux le relancer instant, alors que normalement, j'ai un CD de 6-7 secondes. Quelque chose comme ça. Donc, n'oubliez pas, ce sort-là reset que si vous touchez un dieu. Mais ça ne veut pas dire que dans la phase de lane, vous ne pouvez pas faire les deux pour des pushs. C'est généralement le sort qu'on va maxer en premier. Sur la lane, on ne va pas tortiller, hein, mais c'est un personnage qui joue pas anti-fake marine en général, Achille. Et en gros, votre objectif, c'est de quoi? Ça peut être de faire ça, voilà. Et là, de dasher et d'essayer que dans ce sort-là, là, dans ce dash, vous touchez à la fois les sbires et le dieu adverse. Comme ça, vous pourrez redasher. Faites attention par exemple à un coucou lane. Petit tips quand vous jouez contre un Achille avec un coucou lane, vous pouvez sauter sur place pour dépush au moment où vous pensez qu'il va mettre votre coup. Comme ça, il n'a pas le reset parce que vous êtes en l'air et voilà. Bon, c'est un petit trick qui peut être fait. Vous devez essayer de toucher le dieu et les sbires en même temps pour pouvoir redasher derrière. Bon, là je peux pas parce qu'il n'y a pas de dieu en face. Vous voyez que si vous maxez votre 3 et que vous êtes incapable de toucher le dieu adverse, bah vous allez galérer à dépush. Mais c'est quand même le but, hein. On max le 3 en premier sur la phase de lane pour avoir les 200 x 2. Donc 400 de dégâts, vous serez d'accord que 400 ça fait plus mal que 320. Donc on considère qu'on va maxer ce sort. En plus on a le CD qui diminue, donc vous voyez un peu, alors que ici le CD diminue pas. Ce qui fait qu'en fait, si vous maxez ça en premier, vous aurez beaucoup plus de dépush. Si en plus vous touchez le dieu adverse, bah, vous aurez beaucoup plus de dépush. Donc ça va dépendre, si vous êtes apte à toucher et à dépush en même temps le dieu, et bah utilisez le max du 3. Dans quel cas nous ne maxons pas le 3? Car il existe des cas où on va pas maxer le 3 en premier, c'est les cripples. Si vous jouez contre une Arcio, elle peut vous empêcher d'utiliser son combo, d'utiliser vos dash en utilisant ses racines. Donc faites attention aux cripples face à vous, dans ce genre de cas vous pouvez maxer le 1. Mais en général, en face de lane, sur un Achille, on maxe le 3. Pour avoir le double tap qui peut vous servir sur les sbires, etc., etc. En jungle, on maxera plutôt le 1, mais on verra le skill order plus tard. Ensuite, on regarde le reste du kit de sort du personnage. On enchaîne avec l'ultimate d'Achille. Donc l'ultimate, c'est un dash en avant qui vous immunise contrôle pendant toute la durée. Et quand vous allez toucher, vous faites des dégâts qui vont jusqu'à 540. Bon, là, il y a les résistances, hein, donc 315. Et la particularité de ce sort, c'est que si l'adversaire est sous, en dessous de 30% de PV, donc à 29, 28, 27, 26, etc., vous allez le one-shot. Ce sort-là est très fort en mettant qu'un seul point dedans, puisque en gros, vous mettez qu'un seul point dedans, bah le seuil d'exécution ne s'améliore pas. Hein, il reste à 30%, il ne fait pas 30, 35, 40, 45, 50, 55, ça serait un peu pété. Voilà. Et par contre, la particularité de ce sort, c'est qu'il protège moins efficacement son talon et il subit alors davantage de dégâts. Cet effet est cumulable jusqu'à atteindre 5 charges. En gros, si vous tuez quelqu'un avec Achille et que vous n'avez pas de CD sur votre ulti, puisque si vous faites un seuil d'exécution ou si vous tuez quelque chose avec ce sort, vous le récupérez instantanément, et bah, vous pouvez le refaire. Mais quand vous le refaites, donc vous avez tué par exemple Nice, je vais tuer une fois Nice, et bah, je vais prendre 5% de dégâts en plus. Je vais exécuter une deuxième cible et je vais de nouveau faire des dégâts. Bon, on va s'amuser, on va prendre des objets histoire de... Voilà, on s'en fout. On va quand même se faire plaisir en pensant ça et ça. Pour la tuer facilement. Le problème c'est que j'ai pas mon CD de sort. Donc boum. Je vais vous montrer ça parce que c'est important de le comprendre. Donc vous subissez plus de dégâts quand vous tuez le personnage. Voilà, le seuil de mort. Boum, et j'exécute. Et là, vous voyez, bah, j'ai, c'est écrit ici. Pendant quelques secondes, là, j'ai le talon d'Achille. Donc là, je rappuie sur mon ulti une deuxième fois. Et là, j'ai plus le talon d'Achille, puisque j'ai fini mon ulti. Donc ça reste jusqu'à que votre ulti soit en cooldown. Vous n'avez pas non plus une demi-heure, hein, quand vous tuez quelqu'un avec le seuil d'exécution pour pouvoir réutiliser votre ulti. Hein, voilà. Mais vous avez quand même un petit peu de temps. Et ce temps, il faut le connaître par cœur. Donc on va le vérifier. Tac, hop. Boum, on a l'exécute. Et là vous voyez, on a à peu près 7 ou 8 secondes. Si on attend que le passif s'en aille, voilà, on voit la durée aussi sur Achille. Voilà, bah j'ai mon sort en CD.
Donc on a quand même quelques secondes pour pouvoir l'utiliser. Alors j'aimerais bien connaître exactement, j'ai l'impression qu'on a 10 secondes. 10 secondes, mais je préfère être sûr de valider, parce que ça c'est une information que je ne connais pas forcément. Hop. Parce qu'en général on a tendance à vouloir le réutiliser tout de suite, mais c'est vrai que c'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire que je peux faire ça, rebalancer mon kit de sort. Donc voilà, rebalancer mon kit de sort entièrement et réexécuter. Voilà. Donc c'est assez rigolo comme base, comme principe. Et j'aime bien. Et j'aime bien parce que c'était quelque chose que je connaissais pas forcément sur le personnage. On peut clic droit pour cancel l'ulti. Donc comment je fais en fait? Je clique droit pour cancel l'ulti. C'est vrai que la plupart des joueurs d'Achille, ils réutilisent quasiment instantanément leur ulti. Mais en fait vous pouvez cancel et vous avez à peu près 8-9 secondes. J'arrive jamais à regarder combien de temps il me reste. Ouais, il reste 10 secondes. 10 secondes à peu près. Et là vous voyez, j'ai le stack d'Achille deux fois. Donc on peut l'avoir jusqu'à 5 fois. Ouais, vous avez 10 secondes pour faire votre move, donc voilà. C'est bien de faire les guides, mon petit Iker, ça te permet d'apprendre des choses sur les personnages. Peut-être que si vous aviez jamais remarqué, vous pouviez cancel votre ulti et derrière faire le reste de votre kit de sort et réutiliser votre ulti. Vous avez juste 10 secondes à chaque fois pour le faire. Donc à chaque fois, vous subissez des dégâts en pourcentage en plus, donc faut quand même faire attention, puisque ça fait 5, 10, 15, 20, 25, jusqu'à 25% de dégâts en plus. Je suppose que ça monte jusqu'à 5 fois, puisque c'est cumulable 5 fois, mais bon, une fois que tu as tué 5 mecs, en général, dans les 10 secondes, bon, à moins que tu aies vraiment temporisé le plus, les autres sont pas revenus de toute façon. Donc voilà le fonctionnement de l'ulti d'Achille, et maintenant on parle du 2. Bon, en fait, le 2 est hyper simple, c'est un buff qui dure 6 secondes sur vous. Et qui fait quoi? Qui fait qu'à chaque fois que vous allez lancer un sort sur un adversaire ou sur des sbires, il va se heal. Donc de 32 points de vie, Achille reçoit la bénédiction des dieux, ce qui augmente sa puissance, ses protections et sa réduction. De plus, il regagne des PV quand il inflige des dégâts de compétence à un ennemi. Donc il se heal de 32. Alors vous allez me dire, est-ce que ce heal peut se cumuler avec le fonctionnement? Vous pouvez vous heal si vous touchez 3 ennemis différents. Vous pouvez vous heal de 384 PV. Si vous utilisez toutes vos 3 sorts de damage durant l'effet du buff. Donc si vous utilisez votre ulti, votre 1 et votre 3 au complet, c'est-à-dire deux fois le 3 je suppose, une fois l'ulti et une fois le 1, vous pouvez vous heal de 384 PV. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas dégueu. La particularité, c'est que quand vous le maxez, vous pouvez, soit grâce aux compétences, vous pouvez vous soigner plus de fois. Donc c'est 2, 2, 3, 3, 4. Et vous avez une réduction du contrôle qui dure 6 secondes, qui fait que vous subissez des contrôles 20% moins longtemps. Donc ça se cumule bien évidemment avec le reste de la CCR, c'est-à-dire que si vous avez subi un contrôle avant, vous allez subir 55% de contrôle en moins. 53% de contrôle en moins, etc., etc. Donc c'est de la CCR, c'est toujours bien et très efficace. Ensuite, vous avez, grâce pendant ces 6 secondes en plus, un bonus de puissance physique qui monte de 6, 7, 8, 9, 10% et de protection 10, 12, 15, 17, 20% de protection supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment pendant 6 secondes. Donc vous aurez compris le délire. C'est très très bien. D'essayer d'avoir le bonus de prot, etc. le plus souvent possible. Donc avoir 40% de CDR, même si le CD commence une fois qu'on a fini les 6 secondes, sinon ça serait vraiment trop fort, et bien ça va être important d'avoir de la CDR sur Achille pour pouvoir avoir ce buff toujours. En gros, ce buff, vous devez toujours le claquer quand vous voulez survivre le plus longtemps et surtout infliger le plus de dégâts possible. Donc au début du fight, en général, on active le 2. Au niveau du skill order, ça y est, on s'attaque au skill order de Achille. Le skill order d'Achille est plutôt conventionnel, il sera dans 99% des cas le même sur la solo lane. Et en général, en jungle, il va varier suivant ce que vous voulez faire. Donc on commence la partie avec le premier sort, parce que le premier sort vous permet de clean très très efficacement les camps, et de toute façon, que vous soyez en jungle ou en solo, vous ne croisez pas d'autres dieux. Hein, donc vous n'aurez pas de reset de votre 3, donc vous... Et là je suis full stuff. Donc en gros on fait ça,
Et ensuite, on attend que tous les spectres pop et on fait le 1 pour tous les HP d'un coup. Ça, c'est important de le voir pour le buff de bleu. Et je rappelle que pour le buff jaune, c'est assez simple. Je vais le dire parce que je ne le dis pas dans toutes les vidéos, donc c'est toujours intéressant, une petite piqûre de rappel. Donc si vous jouez jungle, vous allez plutôt jouer la lance de Boomba. Oui, donc c'est pas ça, donc c'est ça. Vous pouvez faire la lance de Boomba ou vous pouvez faire le roi de la jungle. Après, c'est à vous de voir, hein. Les deux sont intéressants. On prend ça et puis on prend le début du Crusher. Je pense que ça peut être intéressant sur Ashi quand même, en Ashi jungle. Et donc, comment ça va se passer le fait de faire le bleu, de faire le jaune? C'est toujours important de le noter. Reset level, voilà. Tac. J'essaie de me dépêcher. Le jaune, en gros, il faut tourner autour pour ne pas se prendre son attaque, puisque son attaque c'est une sorte de canalisation. Merde, j'ai pas moins. Ah bah donc résultat, je me le suis pris, c'est génial, j'adore ma vie. Et regardez, vous tournez autour, hop, il a raté son attaque. Okay. Donc très important, le jaune, tournez autour pour que vous ne preniez jamais son attaque animée. Voilà. Vous voyez, je prends jamais son attaque animée, donc c'est nickel, parce que c'est ce qui fait mal. Hein. Voilà. Donc vous tournez autour. Voilà, c'était juste un petit tip pour ceux qui ne le connaîtraient pas. En jungle, on est toujours là, on est généreux sur Liker TV, on balance plein d'infos. Donc le skill order, donc vous prenez votre 1, que ce soit en jungle ou en solo. Et ensuite au level 2, vous prenez votre 3. En solo lane, vous allez prendre au level 3, un point dans le 3. Et au level 4, un point dans le 2. Et au level 5, un point dans l'ulti. Et ensuite, en solo lane, vous allez maxer l'ulti. Une fois que vous avez maxé le 3, vous ne mettrez jamais de points dans l'ulti, quoi qu'il arrive. Vous mettez qu'un seul point au level 5 et basta, c'est finito. C'est comme avec un Chronos ou avec un Naokon, je crois. Donc voilà. Ensuite, vous maxez votre 1. Ensuite, vous maxez votre 2. Et enfin, vous maxez votre ulti. La différence en jungle, vous allez faire la même chose, sauf qu'en jungle, si vous êtes dans une game où vous n'allez pas trop ganker, que c'est pas open bar et que vous ne pouvez pas faire un milliard de kills, vous maxez, vous faites 1, 3, 3, 2, ulti, et ensuite vous faites... non, vous faites pas ça justement, excusez-moi, plus au niveau shit. Attention, en jungle, on reste concentré sur Liker TV, on max le 1. On met ensuite un point dans le 3, ensuite on remet un point dans le 1, ensuite on met un point dans le 2, ensuite on met un point dans l'ulti. On max le 1, on max le 3, on max le 2. Voilà, donc la différence, ça sera 3 supérieur à 1, supérieur à 2, supérieur à 4. Ou alors 1 supérieur à 3, supérieur à 2, supérieur à 4. Donc c'est à vous de voir. En jungle, en général, on préférera maxer le 3. En solo, on préférera maxer le 2, le 3. Je sais plus parler, hein. En solo lane, on max le 3. Et en jungle, on max le 1. Bien joué, je vais y arriver. Hein. Ensuite, au niveau des reliques de départ, en général, on va jouer flash en jungle et flash en solo. Ça, c'est si vraiment on est confiant sur son match-up et qu'on veut marcher sur l'adversaire. Si vous êtes face à un personnage un peu chiant en face de lane, comme Arceus, comme Arthur ou Cuckoo Lane, vous pouvez partir sur un choix un peu plus safe qui va être la méditation, par exemple. D'ailleurs, c'est un bon choix d'item contre un Achille pour pouvoir essayer de passer au-dessus du Kiss Whistle. Voilà. Donc, méditation peut être intéressant aussi. Sinon, vous connaissez la chanson, on va jouer purification si on est face à énormément de contrôle et flash en deuxième. Ou alors, si on est dans une game où on pense qu'on est chaud du cul, qu'on va se faire un petit peu babysit par le jungle parce qu'on le connaît, et ben on va jouer flash et purification en deuxième relique. Donc ça, c'est pour les reliques hein, qu'on verra assez souvent. Pour avoir la temporal beats en late, je pense que la temporal beats reste quand même très intéressant sur Achille. Donc celle-ci qui diminue les CD de 3 secondes. Et enfin le flash. Le flash en général, le flash qui fait des dégâts, je pense. Ou le flash qui slow, les deux sont envisageables, je pense. Voilà. Maintenant sur les items et le starter item de la solo lane. Je pense que les trois sont possibles. C'est-à-dire que le pendentif aigle marine est vraiment pour les débutants. Mais je pense pas que le sigil soit mauvais non plus. Puisque Achille est un personnage qui restera longtemps dans les fights, dont le son imprégné en late game peut être intéressant. Surtout que c'est quand même un objet qui vous donne 50 de puissance physique.
Là, on est sur 50 de puissance physique et là, on est sur 45. Donc après, c'est à vous de voir si vous considérez que le Sigil sera plus intéressant pour vous en late parce qu'il vous donne 50, 35 de prot physique, 35 de prot magique, 350 de santé. En fait, le saut imprégné est pété. Moi, je le trouve vraiment pété. Si on considère qu'on si on commençait la game level 20, le saut imprégné sera un item qu'on verrait beaucoup, mais il ne vous aide pas forcément dans la phase de lane. En gros, le saut imprégné, faut voir. On regarde 15 de puissance physique, 10 de prot physique, 10 de prot magique, 75 de PV. En fait, les stats brutes de l'objet sont forts. Si on compare avec un pendentif Egg Marine qui vous donne 15 de puissance, donc la même chose, mais pas de PV, pas de résistance, juste des PV 5 et des PM 5. Le problème du Sigil, vous le voyez, c'est qu'il n'y a pas de régène. Alors que ici, vous avez du PV 5, donc ça veut dire que vous régénérez 15 PV toutes les 5 secondes, donc ça fait 3 PV par seconde, 3 x 5, 15. Et ici, vous avez la hache du guerrier, qui vous donne elle, qui est un peu un hybride entre le Sigil et le pendentif Egg Marine, qui vous donne de la puissance, de la prot, mais pas de PV. Donc vous voyez qu'en termes purs, basiques, sur un fight level 1, le Sigil est le meilleur item, starter item. Car il vous le donne des stats brutes. Mais derrière, le passif de la hache du guerrier, c'est vous infligez. Là aussi, vous n'avez pas de régène, c'est comme sur le Sigil. Mais par contre, infliger des dégâts à un dieu, vous lui volez 20 PV. Donc ça veut dire que vous régénérez 20 PV plus 1,5 par niveau. Donc en fait, vous avez du sustain dans la hache. Vous avez du sustain dans le pendentif Egg Marine. Vous n'en avez pas dans le Sigil. Donc si vous voyez un gros gros fight level 1, etc., etc., le Sigil est extrêmement fort. Car vous avez beaucoup de stats dans l'objet. Sachant qu'il vaut le même prix que la hache et il est moins cher que le truc. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire attention niveau starter, c'est compliqué, ce n'est pas cet objet. En gros, si vous fightez quelqu'un en 1 contre 1 au level 1-2, le Sigil est plus fort s'il fight dure longtemps. Parce que les stats brutes vont énormément carry. A l'inverse, si vous fightez en POC et que vous n'êtes pas capable de one-shot votre adversaire, bah, le pendentif de Egg Marine sera intéressant puisque vous avez de la régène point de vie et régène mana et celui-là aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir. En général, pour débuter avec Achille, je vous conseille le pendentif Egg Marine car il va proc sur votre 3, il va proc sur votre 1 et il va être assez efficace. Si vous êtes plutôt un joueur qui démontait vos lanes et vous êtes plutôt solide, vous pouvez faire le son imprégné pour le late game parce que je pense que c'est le meilleur item late game de toutes les branches. Je pense que c'est mieux que la hache maintenant parce qu'elle a été nerf. Et puis surtout, vous avez compris là où je veux en venir, c'est que c'est un objet qui vous donne énormément de stats. 35, 35, 350 PV. Avec votre passif, vous avez déjà quasiment 700 PV en plus. Donc on est vraiment sur un truc ouf. Du son imprégné plus le passif d'Achille, level 20. Défensif fait que derrière, vous pouvez faire un peu votre tambouille. Vous pourrez faire une cape de Discord et après, vous pouvez faire 4 items de dégâts, quoi. Tellement vous aurez de stats. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir un Achille complètement pété en late. Ceux qui veulent avoir un Achille fort en early, vous prenez soit l'Egg Marine corrompu en late game, soit la broche. Donc moi, je vais vous conseiller Egg Marine si vous n'êtes pas un expert sur Achille au départ. Ensuite, vous faites quoi? Vous avez plusieurs items possibles. Alors, jusqu'au 22 mars, donc ça va commencer à bientôt arriver là, dans les vidéos. Le bouclier du Berserker est complètement pété du cul. Mais il devient beaucoup moins fort sur Achille à partir du prochain patch. Donc je conseillerais de partir plutôt sur le bouclier du Gladiateur. Le bouclier du Gladiateur est très intéressant sur Achille. Il donne 200 PV, 10 de CDR, 40 de prot physique et 25 de puissance. Donc le bouclier du Gladiateur sera sans doute plus pertinent que le nouveau bouclier du Berserker, je pense. Parce qu'il n'y a plus la pénétration en pourcentage, mais les stats restent à peu près les mêmes derrière. Donc il restera à mon avis solide sur les personnages à auto-attaque, mais Achille n'est plutôt un personnage à spell, mais n'oubliez pas, dans les combos, il faudra toujours mettre des autos. En fait, avec Achille, on se rend pas compte, mais on doit mettre des autos. Par exemple, si vous pouvez faire ça... pourquoi j'ai pas eu mon reset? Ah, parce que je l'avais dû sans doute déjà l'utiliser. Donc là, je reviens, je fais ça, je fais ça. Alors déjà, je dois pas m'éloigner autant de ma cible. Et ensuite, après le 1, bah, on met plein d'auto. En fait, Achille se retrouve à mettre pas mal d'auto-attaques. C'est pour ça que le bouclier du Berserker de début de saison 9 était complètement pété du cul. C'est parce que bon, il était faisable même sur les guerriers qui ne balancent pas de 1 milliard d'auto-attaques parce que c'était fort. Je pense que le nouveau bouclier du Berserker, faudra peut-être un petit peu l'oublier.
La maille mystique, faut un petit peu l'oublier. C'est un objet qu'on voyait beaucoup avec, avec Achille, mais c'est un objet qui a été pas mal nerf en termes de dégâts. Maintenant, si vous prenez quelqu'un qui a des résistances, bon bah, je vais vous montrer, mais ça fait pas. On voit pas les dégâts ? C'est jamais affiché ? Si. Donc là, imaginons, on met quelqu'un qui a 50 de prot. Ça fait plus que 23. Donc c'est plus non plus énorme, hein, comme on aurait pu le croire avant. Et si on tombe sur quelqu'un qui a 100 de résistance, 18. En fait, ça vraiment, ça finit par faire plus beaucoup de dégâts à la maille mystique. C'est pour ça que la maille mystique, elle est beaucoup moins faite. Elle est encore faite par les débutants parce qu'ils se rendent pas compte que les dégâts sont vraiment devenus ridicules. Donc si le fight dure 3 secondes, bon, bah t'as fait 69 de dégâts en plus. C'est pas non plus oufissime, quoi. Donc c'est à vous de voir si vous voulez jouer cette maille mystique ou pas. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est vraiment plus trop viable. Donc si vous voulez la faire, faites-la. Vous êtes un habitué. Ensuite, au niveau des items, bah, on peut faire un item de... Alors est-ce qu'on fait une Kuzari de Shogun sur un Achille? Non, en général on n'en fait pas. Si je vous conseille un item qui vous donne un petit peu tout, c'est le talisman d'énergie. C'est vraiment un objet qui est très très fort. La pestilence est également très très cool. Il y en a qui font le rempart, comme Adik, je crois il a fait le rempart dans une DC game avec Achille il n'y a pas longtemps. Enfin, au début d'année, à l'époque où c'était complètement pété. Donc vous pouvez faire par exemple ce genre de truc. Vous avez une itemisation ici qui est très, très tanky. Si vous êtes face à une compo qui est orientée beaucoup dégâts physiques, vous pouvez faire un double item de défense physique. Donc ça va être celui-là et celui-là. Voilà, ça typical, c'est bien parce que ça vous donne beaucoup de défense. Et en late, bah, vous aurez justement ce fameux... alors là, il faut faire attention, vous êtes un petit peu plus fragile que certains solo laners parce que vous avez fait deux items, ce qu'on appelle des items hybrides, qui donnent les deux. Mais les items hybrides, c'est complètement pété sur Achille parce que vous avez quand même un petit peu de défense, mais surtout vous savez le late game d'Achille complètement pété quand vous allez activer vos deux avec des objets qui vous donnent ici 45 de puissance. Bien sûr, le polymorphe est également très intéressant parce qu'il vous donne encore plus de puissance. Il en donne, bah, deux fois plus, hein, puisqu'il peut en donner jusqu'à 60, jusqu'à 3 fois plus même. Donc le polymorphe peut être intéressant si vous aimez l'objet. Je vais aller chercher les objets de puissance qui pourraient être intéressants sur Achille. Le caducé, vraiment très très fort. Il vous donne prot physique, prot magique et un petit peu de PV. Pour moi, quasiment obligatoire sur un Achille à l'heure actuelle, surtout s'il n'y a pas beaucoup de heal dans votre équipe. Comme ça, vous allez pouvoir vous heal vraiment bien. Et donc là, on est vraiment sur une itemisation assez hybride. C'est que des objets hybrides et ça synergise très très bien avec un Achille puisque comme on l'a dit en late, c'est complètement pété. Achille de dingue. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Lancille, c'est pas trop méta. Le marteau runique pourrait être intéressant. Pas vraiment parce que Achille n'applique pas de slow. Ça va juste marcher pendant les 1 seconde de votre stun. Donc le marteau runique, il n'est pas folichon sur Achille. On va partir sur un objet, comme on l'a dit, un objet de défense magique peut être intéressant, donc une pestilence par exemple pour réduire les heals, ou un talisman d'énergie, moi j'aime beaucoup le talisman d'énergie, vous le savez, et je finis par une cape de Discord. Et donc là vous allez me dire, mais Iker, ouais t'as quand même déjà 257 de défense, oui mais quand je vais activer ça, j'en ai 308. Vous voyez un peu le délire, on est hybride, on a des dégâts, mais on est quand même très tanky quand on utilise notre sang. Voilà. Et ensuite vous prenez vos élixirs et donc en late game vous aurez beaucoup de dégâts tout de même sur votre personnage. Vous voyez que là quand j'appuie sur mon 2, bah, je monte à 308 de défense physique, 244 de défense magique. J'ai des bonnes auto-attaques, des familles. Voilà. Et je suis quand même tanky, mais hallucinamment tanky. Et ça vous imaginez pas si en plus dans votre équipe il y a... En gros, ce qu'il faut comprendre, en gros, pourquoi le caducé est OP sur un Achille en late game, c'est parce qu'en fait, vous allez vous heal. Et quand vous vous soignez, bah, le petit, même si ce sont des petites valeurs de heal, quand vous vous soignez de petites valeurs de heal, mais quand vous êtes ultra tanky, c'est vraiment broken. Parce que si vous vous soignez de un petit peu sur des PV qui sont difficiles à faire tomber, bah c'est très très efficace. C'est pour ça que le caducé est pour moi obligatoire sur Achille et c'est pour ça que le heal est très fort. Ce heal de 100 PV, quand on a 0 résistance et 1800 PV, ce 100 PV va pas vous aider. Ce heal de 100 PV par-ci par-là, quand on a 3125 HP
et qu'on a beaucoup de résistance, ce 100 PV est insane. Il fait que Achille tank trop en fait. Donc c'est pour ça que le caducée est très intéressant sur Achille et que le heal est très fort sur les personnages tanky en fait. Voilà, voilà. Malgré le fait que dans le jeu, on puisse counter le heal de manière très très efficace. Donc ça, c'est typical build Achille qui se correspond. Vous êtes parti quasi full dégâts. Moi, comme je vous ai dit, j'aime bien l'idée de faire le soin imprégné. Le soin imprégné pour faire encore plus de dégâts. Voilà, par exemple, ça permet de même pas faire cet objet-là et limite de faire le polymorphe. Le polymorphe ou le crève-cœur par exemple, puisque vous allez atteindre quand même un certain nombre de puissances qui est assez élevé en late, qui fait que vous aurez le proc du crève-cœur quand même assez haut. Hein. Là, vous voyez que j'ai 341 de puissance physique. Donc le crève-cœur, c'est, on le rappelle, ça fonctionne comment? Vos compétences infligent des dégâts physiques supplémentaires équivalent à 3% des PV à la cible. Si vous avez plus de 200 de puissance physique, pour un maximum de 6% quand vous dépassez les 400. Donc vous n'allez pas dépasser les 400, hein, bien sûr. Mais vous aurez quand même des dégâts. Donc le crève-cœur peut être envisageable sur un Achille. Ça amplifie vos dégâts de burst. Ah là, je l'ai tué sans avoir le seuil d'exécution, non? Je crois que je l'ai tué sans le seuil d'exécution avec le... Bah en fait, c'est que ce sort-là, au bout d'un moment, il fait mal. Hein. Que vous ayez ou pas, de la CD. Mais je suis pas sûr qu'il était sous le seuil. Je me suis posé la question tout à l'heure si c'était faisable, ça, de tuer quelqu'un... avec le burst de l'ulti sans avoir le kill threshold. Sur, à mon avis, là, on cale combien de dégâts avec ce main, par exemple? Sur un ulti. 600. Ouais, donc c'est quand même beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Bon, pas forcément le crève-cœur. Hein, si vous avez pas envie, que vous voulez faire un build relativement tanky, vous pouvez faire le polymorphe. Le polymorphe sur Achille est très très bien puisque c'est un objet hybride encore une nouvelle fois qui vous donne des protes etc. quand vous tombez sous un certain truc. Et là vous voyez qu'actuellement j'ai 317 de défense physique, 178. Et quand je vais faire ça, je vais passer à 380. Alors vous me direz, mais Iker, on peut pas passer les 300 en résistance. Alors j'ai fait le test. En fait vous allez subir des dégâts en moins malgré tout. C'est-à-dire que normalement c'est 325 le cap des résistances. Mais regardez, là l'anis me fait du par auto-attaque du 21, et quand je vais activer mon 2, elle me fait du 18. Donc il y a bel et bien, on peut overcap le 325 de résistance. Moi je croyais qu'on pouvait pas en fait, hein. Donc, mais avec Achille on peut. Donc c'est aussi un des trucs qui le rend complètement OP. Sachez que si vous passez la barre des 325 de prot, parce que normalement je ne peux pas passer la barre des 325, enfin, en gros je vous montre, si vous faites là vous voyez, si je fais ça, là je suis à 282, je vais essayer d'aller acheter un objet qui donne beaucoup de prot. Compliqué de trouver un objet qui donne beaucoup de prot physique. Une polion de némé. Là vous voyez, j'ai 325. Et je peux pas avoir plus en fait. Même si je fais un objet qui donne plus de prot, donc là par exemple on est à 40, et là vous voyez je fais un objet qui en donne 65, je suis à 325, je suis capé. Mais ça n'empêche pas que quand je vais faire ça, je vais diminuer mes dégâts. Là je vous teste, comme ça vous êtes sûr. Vous pouviez vous poser la question. Donc là, hop, elle me met une auto. Ça fait du 21. Et j'appuie sur 2. Il me fait du 18. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de réduire les dégâts. Alors bien évidemment, c'est pas non plus monstrueux. Parce que c'est plus vous avez de résistance, moins ça diminue les dégâts. C'est assez logique. Bien sûr, on peut pas tomber, on peut pas arriver à zéro. Hein. L'anis me fera forcément des dégâts. Mais c'était juste histoire d'expliquer que vous pouvez bien overcap 325 de résistance physique. Ça fonctionne avec God 2. Donc c'est pas, vous perdez pas des stats. Hein. Voilà. C'était juste histoire de le dire. Je pense que sur certains personnages, vous perdez des stats. Mais parce que là, ça passe grâce aux 2. Mais voilà. Voilà, voilà. Pour un Achille Jungle, on va terminer sur un Achille Jungle quand même. Ça peut être intéressant. Achille Jungle, bah, pour moi, il se build quasiment de la même façon. Bien sûr, on va pas faire le même item de démarrage. On va faire la lance de Boomba. Je trouve que la lance de Boomba est un bon investissement. Le marteau de Boomba est intéressant. Ça donne 300 PV. Donc ça permet 300 PV plus le passif. Ça permet d'avoir 625 PV supplémentaires et des protes. Donc c'est à vous de voir si vous voulez jouer marteau ou lance de Boomba. Il y a vraiment des joueurs. L'autre jour, je regardais Zapman. Et Zapman, lui, c'est un fan du marteau. Il trouve que c'est un objet qui est pété parce qu'en late, ça lui donne des 300 PV. Ça lui permet de survivre à certains bursts. Voilà, c'est l'avis de Zapman. Après, il y a des pros qui considèrent que la lance est 1000 fois plus forte parce qu'elle donne pénétration et CDR. Donc c'est déjà deux choses que vous avez généralement besoin en jungle. Donc comme on l'a dit, on peut partir sur un polymorphe premier objet par exemple. Non, un crusher peut-être premier objet.
crusher peut être intéressant. Si vous avez, bien évidemment, s'il y a de lentilles, vous pouvez faire une matraque. La colère de Jotun, est-ce que c'est intéressant ou pas sur le personnage? Je pense que oui, donc on peut faire une colère de Jotun. Ah, voilà, on est parti beaucoup plus dégâts. Lamentation de l'hydre. Là, dans ces cas-là, je comprends le marteau. Dans le sens, là, vous pouvez faire, par exemple, pour équilibrer votre build, vous faites le marteau et vous faites une cape de discorde. Et donc là, vous avez quand même un build assez... bien évidemment, vous n'aurez pas toujours ce genre de build, donc vous pouvez faire ça. Le polymorphe, je pense. Ou le bouclier du vide. Là, vous avez combien de pénétration en pourcentage? Vous n'en avez pas beaucoup, hein. C'est pour ça que... C'est pour ça que c'est peut-être mieux celui-là. Ah, vous avez juste cet objet-là en pénétration en pourcentage. Après, vous pouvez faire full dégâts. Hein. Comme on l'a dit, vous pouvez faire full dégâts et faire un fléau de titan ici. Mais bon, moi, je considère quand même qu'Achille brille un petit peu à prendre un peu de résistance. Tout simplement pour son 2. Parce que s'il prend pas de résistance, son 2, il est pas très efficace. Quoi. Comprenez un peu le délire. Où je veux en venir. Donc, si vous faites ça, par exemple, vous avez combien de PV là? Là, vous avez 2325 HP. Vous avez tout de même, on rappelle que maintenant on pourra acheter un seul item de glyph. Ça peut être intéressant de faire un item de glyph sur Achille. Je pense la férocité de Jotun ou la vigueur de Jotun. Bon, quand vous êtes full dégâts, je pense que c'est plus la colère qui pourrait être intéressant. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, ce petit guide sur Achille. J'en reviens jamais, à chaque fois que j'en lis son kit de sort, j'hallucine sur le personnage, à quel point il a des stats gratuites. On est sur l'un des passifs les plus forts du jeu. Parce que pour moi, le passif d'Achille, bah, faut cumuler celui du 2 en fait. Et que rien que si on prend les stats données par le personnage, voilà. Rien que si on regarde les 325-45, bah, c'est pas 325-45. Puisque quand vous appuyez sur 2, vous avez 20% de prot en plus. Donc 20% de 45. Et voilà. Et l'autre, pareil pour les puissants. Donc c'est pour ça que ce personnage est OP, c'est le cumul des deux passifs. Ces deux stats là en pourcentage qui sont OP et le passif en lui-même. Et le kill switch. Enfin bref, il est fort. Je vous fais des gros bisous. Et le double dash. Et l'immune contrôle. Et le stun. Et la CCR. Bref, Achille, parfait pour ceux qui veulent jouer. Même si ce n'est pas forcément facile de jouer Achille. Il a un level 2 très très fort, Achille. Car il peut faire double dash et son stun. Mais attention, Achille brille plus vous allez avancer dans la game. Il a une phase de lane qui est peut-être un peu plus facile que celle d'Amaterasu. Mais ça reste un perso complètement pété en fin de partie. Donc ne l'oubliez pas. Si vous êtes en 0-2, 0-3, arrêtez de jouer. Farmez tranquillement. Revenez. Préparez-vous au late game. Car Achille est très très fort en fin de partie. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Ciao !